toi, mon frère. Shalom à toi, ma sœur. Nous revoici encore ce matin dans notre quatorzaine. La quatorzaine qui est une rencontre, qui est un rendez-vous entre toi et ton Dieu. C'est un moment que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir nous exhorter, de pouvoir monter encore dans une dimension surnaturelle. Et ce matin, mon frère, ma sœur, j'ai à cœur de te partager un message aussi fort, un message aussi puissant, un message auquel tu vas te retrouver certainement. Mais avant de monter dans mon message, j'aimerais encore te rappeler que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et en même temps sur notre page Facebook Briquet de Lesson. Alléluia. Bien-aimé, le thème de mon message ce matin, c'est le dépôt de Dieu. Je suis le dépôt de Dieu. Tu es le dépôt de Dieu. Nous sommes les dépôts de Dieu. C'est quoi un dépôt? Pourquoi nous sommes les dépôts de Dieu? Alors avant de commencer à l'exhortation, nous avons un texte que nous allons lire ensemble. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 7 et le verset 19. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Verset 19, on nous dit: L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Bien-aimé, je disais que ce matin, mon message, mon exhortation, ma quatorzaine de ce matin, bien-aimé, a pour thème « Tu es le dépôt de Dieu ». Alors, c'est quoi un dépôt, mon frère? Mais un dépôt, c'est simplement, on va dire, un dépôt, c'est l'action de déposer, de placer en un lieu sûr. Un dépôt, c'est l'endroit où l'on dépose. Un dépôt, c'est un entrepôt. Un dépôt, c'est un endroit où l'on garde. Un dépôt, c'est aussi un point de départ. C'est un point de départ. Là où tout est bloqué. On va parler de l'entrepôt, mais ici, c'est un dépôt où tout est dedans. C'est un point de départ de beaucoup de choses. Où on a mis toutes sortes de choses. C'est ce qu'on appelle dépôt. Là où on dépose, là où on garde. Là où on protège. Mon frère, ce matin, la parole nous dit, Dieu qui crée l'homme. Dieu qui crée l'homme. À partir de la poussière de la terre. En réalité, mon frère, ma soeur, Dieu a créé l'homme pour cultiver la terre. Il a créé l'homme par la poussière, la Bible dit. Il a pris la poussière, il a pris la terre, il a façonné, il a fabriqué et il a soufflé dans celui-ci afin qu'il existe, afin que l'homme devienne une âme vivante. Après lui avoir soufflé dans les narines. En réalité, au commencement, quand il a fabriqué la terre, quand il a façonné la terre, c'était juste, on va dire, comme une statuette qui n'avait pas d'âme, qui n'avait pas d'existence. Mais il fallait qu'il souffle dans cette statuette, il fallait qu'il souffle dans ce qu'il avait façonné pour que cette statuette devienne un être vivant, une âme vivante, devienne une personne, mon frère, ma soeur. Notre Dieu qui est une vie, notre Dieu qui est la vie,
a soufflé dans l'homme. Notre Dieu qui est souffle de vie a soufflé dans l'homme. En réalité, mon frère, en réalité, le souffle de Dieu, c'est Dieu en l'homme. En réalité, c'est Dieu qui est rentré dans l'homme. Dieu, en soufflant dans l'homme, est rentré dans l'homme afin que l'homme puisse y vivre. Dieu, en soufflant dans la statuette, est rentré dans cette statuette afin que la statuette puisse exister, puisse avoir une existence. Dieu qui donne la vie, Dieu qui est souffle de vie, soufflé dans l'homme. Lui qui est miséricorde, lui qui est plein d'agrâce, plein de grâce, plein de bonté, faisait de l'homme son dépôt. En soufflant dans l'homme, Dieu a déposé en l'homme tout ce qu'il avait. Il a déposé en l'homme sa vie. Il a déposé en l'homme toutes ses dimensions, toutes ses capacités. Il a déposé en l'homme tout ce qu'il avait de plus puissant, de plus fort. Il a donné à l'homme à travers le souffle. À travers le souffle, mon frère, ma soeur, Dieu a donné à l'homme ce qu'il avait. Il a déposé en l'homme tout ce que Dieu avait, tout ce qu'il avait. Il a déposé à l'homme ses qualités, ses capacités, ses pensées, bien-aimé, ses émotions, toutes sortes de dimensions, il a déposé en l'homme. Et après avoir soufflé dans l'homme, après avoir fait de l'homme une être vivante, un être vivant, une âme vivante, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le présenter devant sa créature. La Bible nous dit, Dieu va présenter l'homme. Il va mettre l'homme devant toute sa créature. Et donc, il va demander à l'homme de pouvoir nommer, bien-aimé, l'homme qui à la base n'était rien. Mais quand Dieu a soufflé en l'homme, bien-aimé, Dieu a déposé quelque chose qu'il avait en l'homme. Il a mis en l'homme, il a fait de l'homme, il a fait en sorte que l'homme soit son dépôt, afin que l'homme puisse penser, l'homme puisse réfléchir, l'homme puisse avoir des atouts que Dieu avait, l'homme puisse être, l'homme puisse avoir des attraits de Dieu. En réalité, Dieu a fait de l'homme un petit Dieu ou un Dieu, parce qu'il a donné la capacité de faire des choses. Bien-aimé, c'est ainsi que l'homme va nommer, il va donner les noms à tout ce qui existe, à tout ce que Dieu a créé. En réalité, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas nommé les choses. Dieu n'a jamais donné un nom à sa création, à tout ce qu'il a créé. Mais c'est l'homme qui a nominé toutes sortes de choses. C'est l'homme qui a dit que désormais cet animal s'appellera le lion. C'est l'homme qui a dit que désormais cet animal s'appellera la panthère. C'est l'homme qui a dit que cet animal s'appelle le singe. C'est l'homme qui a dit que cet animal s'appelle ceci. C'est l'homme qui a dit que cet arbre s'appelle un figuier. C'est l'homme qui a dit que cet arbre s'appelle un manguier. C'est l'homme qui a dit que cet arbre s'appellerait un pommier. C'est l'homme qui a dit que cet arbre s'appellerait un figuier. C'est l'homme, l'homme et l'homme. Et pourquoi l'homme l'a fait? D'où pouvait lui venir cette intelligence, cette capacité? C'est parce que Dieu a déposé quelque chose en lui. Parce que Dieu a fait de lui un dépôt. Parce que Dieu a déposé sa force, sa puissance. Tout ce qu'il avait en lui, Dieu a donné à l'homme. Afin que l'homme puisse dominer. Afin que l'homme puisse incarner, qu'il puisse dominer la créature. Qu'il puisse dominer ce qu'il avait fait. Afin que l'homme puisse continuer à parfaire le travail que Dieu avait fait. Quand Dieu a créé, il a dit, il vit que tout était bon, ce qu'il a fait comme création. Et il a donné à l'homme cette capacité de pouvoir continuer son œuvre en déposant à l'homme, en déposant dans l'homme tout ce qui a de bien, tout ce qui a de valeur, tout ce qui a de qualité, toutes sortes de dimensions christiques, la parole, la valeur, tout ce qui a de puissant, tout ce qui a de fort, il a déposé en l'homme. En l'homme. Donc on va dire, l'homme a tout reçu au commencement, mon frère. Au commencement, l'homme a tout reçu. C'est ainsi que l'homme commença à appeler les choses par son nom. L'homme commença à libérer les paroles. Oh, j'aimerais te dire ce matin, mon frère. J'aimerais te dire encore ce matin, ma soeur. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu n'a pas nommé les choses. Mais c'est l'homme qui a nommé les choses. C'est l'homme qui a nommé les créatures. C'est l'homme qui a donné le nom à toutes choses, à tout ce que Dieu a fait. L'homme, il a dit désormais, tu t'appelleras arbre. L'homme, il a dit désormais, tu t'appelleras ceci. L'homme a donné les noms à tout ce que Dieu a créé. Dès le commencement, mon frère, ma soeur, le Seigneur, notre Dieu, il avait déjà fait de l'homme un Dieu. Au commencement, j'aimerais te dire, dès la création, le Seigneur, notre Dieu, avait fait de toi déjà un Dieu. Voilà pourquoi la parole nous dira, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle tout-puissant. En réalité, dans l'homme, c'est la puissance de Dieu
tant qu'il n'y a pas le souffle, s'il n'y a pas le souffle du Tout-Puissant dans l'homme, ta vie n'est rien. Voilà pourquoi quand Dieu retire son souffle, le corps repart à la terre, bien-aimé. Quand le souffle de Dieu retire son souffle, le corps repart à la terre. Donc ce qui fait l'homme, en réalité, c'est le souffle de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, que tu es le dépôt de Dieu. Nous sommes le dépôt de Dieu. Que Dieu est venu habiter en toi. Dieu est venu habiter en toi. Il est venu s'incarner en toi. Voilà pourquoi il a dit, dans Luc 10, 19, il a dit, « Je vous ai donné le pouvoir sur toutes choses. » Alors, il s'agit de quel pouvoir? Quand tu dis, « Je vous ai donné le pouvoir sur toutes choses. » Peux-tu imaginer de quel pouvoir il s'agit? Eh bien, mon frère, ma soeur, le pouvoir qu'il t'a donné, c'est le pouvoir de nommer les choses. Le pouvoir de chasser. Le pouvoir de libérer. Le pouvoir d'appeler les choses. Le pouvoir de changer. Le pouvoir d'être à la quête des choses. Le pouvoir de parler. Le pouvoir de libérer des paroles. Le pouvoir, bien aimé, de déclarer des paroles. Le pouvoir d'appeler les choses qui n'existaient pas, de les mettre en existence. Le pouvoir de faire en sorte que tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, ait lieu, bien aimé. Ce pouvoir qu'il a donné en l'homme, bien aimé. Les choses que tu appelles, les choses que tu appelles sont disponibles dans le dépôt. Les choses que tu veux, mon frère, sont disponibles dans le dépôt. Les dépôts qui est toi, les dépôts que Dieu a mis en toi, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires est dans le dépôt que Dieu a déposé, est dans le dépôt que Dieu a fait. Parce que Dieu a fait de toi un dépôt. Et en toi, mon frère, ma soeur, tu as tout ce qu'il faut. En toi, mon frère, ma soeur, tu as tout ce qu'il faut. Tu es un dépôt. Et dans le dépôt, mon frère, il y a tout. Dans un dépôt, il y a tout. Dans le dépôt, mon frère, ma soeur, quand nous voyons dans la vie de tous les jours, nos dépôts en nous, parfois c'est des dépôts où il y a des bus, mais il y a des bus, il y a aussi des moteurs, il y a aussi des pièces, il y a tout ce qu'il faut pour faire sortir des bus, même dans les entrepôts où il y a des marchandises, il y a toutes sortes de choses, bien aimé. Et dans le dépôt de Dieu que toi tu es, mon frère, ma soeur, tu as tout pour être heureux, tu as tout pour vivre, tu as tout pour appeler des choses, tu as tout, bien aimé, mon frère, ma soeur, pour avancer dans ta vie, tu as tout pour réussir, tu as tout pour libérer des choses, mon frère, ma soeur, parce que tu es le dépôt et en toi, mon frère, en toi, ma soeur, tu as tout. Dieu a déposé tout en toi. Dieu a déposé tout en toi. Voilà pourquoi, par rapport à ce qu'il a déposé en toi, tu as eu la capacité d'appeler les choses, de nominer les choses, de dire à ce lion, je t'appelle lion, de dire à la poule, je t'appelle poule, de dire au canard, je t'appelle canard, de dire à tes choses, parce que c'est dans ce dépôt-là que tu allais puiser la capacité. Tu allais prendre ce qu'il faut pour pouvoir nommer les choses. Tu allais prendre ce qu'il faut pour pouvoir dire telle chose dans le dépôt. Mon frère, ma soeur, tu es le dépôt de Dieu. Tu es le dépôt de Dieu. Et dans ce dépôt, mon frère, il y a tout ce que tu as besoin. Dans ce dépôt que tu es, ma soeur, il y a tout ce que tu as envie. Il y a tout ce qu'il faut pour ta vie. Il y a tout ce qu'il faut pour ton entourage. Il y a tout ce qu'il faut pour ton épanouissement. Il y a tout ce qu'il faut pour ta croissance dans le dépôt que tu es. Les choses que toi tu veux, les choses que tu as envie de vivre, les choses que tu as envie d'expérimenter, toutes ces choses, mon frère, ma soeur, sont disponibles dans le dépôt. Sont disponibles dans le dépôt que toi tu es. La seule chose à faire, c'est de rendre en existence, c'est de le rendre visible. Parce que dans le dépôt spirituel, le dépôt que tu es, en réalité, en l'homme, mon frère, ma soeur, comme nous le savons, c'est le spirituel qui impacte sur le physique. Le dépôt est spirituel et il est en toi, mon frère. Et c'est à toi de le rendre en existence. C'est à toi d'appeler ces choses. C'est à toi de faire en sorte que ce qui est dans ton dépôt puisse sortir, puisse exister, puisse être en existence, puisse être ouvert, que tout le monde puisse voir. Tout le monde puisse le voir. Alors, mon frère, ma soeur, c'est à toi de pouvoir rendre en existence ce qui est en toi, ce qui existe déjà en toi. Voilà pourquoi on dit tu es un Dieu, mon frère. Tu es un Dieu, ma soeur. Tu es une bénédiction de Dieu. Et de cette bénédiction, mon frère, ma soeur, le diable nous envie. Le diable t'envie. Le diable a envié Adam. Il a envié Adam et Ève dans le jardin. Voilà pourquoi le diable savait. Il savait que ce qu'eux, ils avaient quelque chose de précieux. Ce qu'ils ont, c'est quelque chose de précieux que le diable n'a pas. Voilà pourquoi il a tout fait
pour pouvoir corrompre l'homme. Il a tout fait pour pouvoir corrompre la personne. Et ce que nous avons, ce que nous vivons tous les jours, mon frère, ma soeur. Le diable sait ce que tu as. Le diable sait la puissance que tu as. Le diable sait tout ce que tu as dans ton dépôt. Le diable sait les valeurs que tu as, ta capacité, ta force. Mais voilà pourquoi, mon frère, il ne te laissera jamais le temps de le faire. Il viendra pour te distraire. Il viendra pour te montrer des choses illusoires. Il viendra pour te montrer l'illusion, bien aimé, pour te distraire. Afin que tu ne puisses pas ce que tu as en toi. Afin que tu n'ailles pas dans ton dépôt prendre ce que tu as envie. Le diable sera là en train de te distraire. Voilà pourquoi, bien aimé, le diable nous attaque. Il nous attaque parce qu'il sait qui nous sommes. Pourquoi le diable ne s'attaque pas aux animaux? Pourquoi il ne s'attaque pas aux chiens ou aux chats? Parce que les chiens, les chats, les animaux, ils n'ont rien. Mais toi, tu as quelque chose. Tu as une valeur sûre. Parce que par rapport à ce que tu as que le diable n'a pas, ce que tu as que le diable envie, ce que tu as que même les anges n'ont pas, mon frère, ma soeur, même que les anges t'envient, mon frère, tu es un Dieu, tu es un fils de Dieu, tu as la capacité de faire des choses, mais le diable n'est pas content. Il ne sera jamais content. Il va te distraire, mon frère. Il va t'emmener, bien aimé, afin de pouvoir détruire et tuer ce que tu as au fond de toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon frère, que tu ne tueras pas ce que tu as. Laisse-moi ce matin te dire, mon frère, que étant dépôt de Dieu, tu puiseras ce qu'il te faut pour ton existence. Tu puiseras ce qu'il te faut pour ton épanouissement. Tu puiseras ce qu'il te faut pour ta croissance. Tu puiseras ce qu'il te faut pour ta réussite. Tu puiseras ce qu'il te faut, bien aimé, pour ton élévation. C'est dans ton dépôt. Les dépôts que toi tu es. Tu es le dépôt de Dieu. Dieu, en travaillant, il a besoin de toi pour travailler. Dieu, en rendant les choses capables, palpablement, il a besoin de toi. Parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait les valeurs qu'il a mis en toi. Il sait ce que tu es, bien-aimé. Je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, le dépôt de Dieu, c'est toi. Et en toi, tu as tout. Tant que tu n'es pas mort, bien-aimé, le dépôt restera toujours présent. Le dépôt sera toujours là et présent. Le dépôt sera toujours là, bien-aimé. Tant que tu n'es pas mort, tant que la mort n'est pas là, mon frère, ma soeur, à cause du dépôt, bien-aimé, les choses vont sortir. Et les choses devront sortir. Et ce matin, je veux te dire que ce que tu as dans ton dépôt doit sortir. Ce matin, je veux te libérer encore. Ce que tu portes en toi doit sortir. Ce que tu portes en toi doit être extériorisé. Le monde doit voir. Le diable doit voir. Les gens doivent témoigner ce que tu as en toi, bien-aimé. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, mes bien-aimés. Ne te contente pas de l'instant présent. Ne te contente pas de ce que tu vis, ce que tu traverses. Tu vas peut-être te dire que tu traverses un moment difficile. Peut-être que tu es malade, que tu n'arrives pas. Peut-être que voilà, il y a des situations compliquées dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail. Il y a peut-être des choses compliquées, mon frère. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, je sais qu'il y a un dépôt en toi qui va s'ouvrir. Je sais qu'il y a un dépôt en toi que tu peux ouvrir ce matin. Je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que ce que tu as en toi, bien-aimé, le monde ne l'a pas. Ce que tu as en toi, bien-aimé, les gens t'envient. Ce que tu as en toi, bien-aimé, les gens, bien-aimé, t'envient. Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens se sous-estiment. Quand tu vois leur corps, quand tu vois leur état de vie, quand tu vois leur situation, ils se disent, moi là, je suis abandonné, qu'est-ce que je peux faire? Moi là, je suis malade, moi ici, j'ai ceci, qu'est-ce qu'on peut me prendre? Est-ce que moi je peux trouver un mari? Est-ce que je peux trouver une femme? Est-ce que moi aussi je peux travailler? Est-ce que moi aussi je peux avancer? Est-ce que moi aussi ma parole peut être devant les gens? Est-ce que je peux parler devant les gens, que les gens m'écoutent aussi? Est-ce que moi aussi j'ai de la valeur? Bien-aimé, ne te sous-estime pas, bien-aimé. Il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Il y a des gens qui aimeraient vivre ce que toi tu vis. Il y a des gens qui aimeraient avoir ce que toi tu as, mon frère, ma soeur. Parce que tu es le dépôt de Dieu. Ce que Dieu a mis en toi. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, bien-aimé, pour voir ce que toi tu es en toi, pour voir ce que toi tu es, bien-aimé. Oh mon frère, ma soeur, tu aurais dû dire, oh, par rapport à ce que tu as, tu aurais dû encore avancer. Tu aurais dû encore élever ce Dieu-là et bénir ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu t'a donné tout, il t'a équipé de toutes sortes, bien-aimé. Il t'a équipé. Il t'a équipé, mon frère. La Bible déclare, mon frère. La Bible déclare, ma soeur, que vous êtes bénis. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en Jésus et non ailleurs. C'est en Jésus que nous sommes bénis, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas bénis parce qu'on est allé voir les marabouts, parce qu'on est allé voir les gris-gris, on ne sera jamais béni. Parce qu'on a été voir XYZ, parce qu'on a été jouer aux équipes, parce qu'on a été voir les sorciers de ma famille. Nous sommes bénis en Jésus, dans les lieux célestes, bien-aimés. Parce que la bénédiction que nous portons en nous, c'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous, mon frère, ma soeur.
Quand Dieu fait de toi, bien-aimé, un Dieu, quand la parole déclare que tu es un Dieu, quand Dieu fait de toi un canal, quand Dieu fait de toi, quand Dieu a besoin de toi pour travailler, quand Dieu a besoin de toi pour construire, c'est qu'il sait ce qu'il a mis en toi. C'est qu'il sait qu'il a déposé des choses en toi qui peut te permettre d'avancer. Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne te laissera pas tenter au-delà de tes capacités parce qu'il sait les valeurs que tu portes. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait les dimensions que tu as en toi. Il sait tout ce que tu as mis en toi. Et rentre-le-moi dans ton dépôt, mon frère, ma soeur. Va puiser ce que tu as besoin pour la vie. Va puiser ce que tu as besoin pour le travail. Va puiser ce que tu as besoin pour le mariage. Va puiser ce que tu as besoin pour tes études. Va puiser ce que tu as besoin pour ta réussite. Va puiser ce que tu as besoin pour ton épanouissement. Va puiser ce que tu as besoin, bien-aimé, pour monter. Pour t'affirmer. Pour t'affirmer, bien-aimé. Car le dépôt, c'est comme un magasin. Le dépôt, c'est comme un magasin où il y a beaucoup de produits. Où il y a beaucoup de choses. Et en nous, bien-aimé, nous sommes un magasin. Chez nous, bien-aimé, nous sommes un magasin où tout est là. Toutes tes choses, ils sont là, tout est là, bien aimé. C'est comme dans une boutique, tu rentres dans une boutique, tu trouveras des allumettes, tu trouveras des tout ce qu'il y a. Tu vas dans un supermarché, bien aimé, qu'est-ce qu'ils montrent dans le supermarché? C'est comme toi dans ton corps à toi. Ce matin, je voulais te dire, mon frère, dans ton corps, dans ta vie, dans ce que tu es comme un supermarché. Tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les produits, bien aimé. Qui peut te permettre de pouvoir avancer? Tu as tous les produits, bien aimé, qui peut te permettre d'aller, bien aimé. Tu as tous les produits, bien-aimés, qui peuvent te permettre de grandir. Ne savez-vous pas, bien-aimés, comme la Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et si l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, et si toi, tu es le dépôt de Dieu, ça veut dire que si Dieu est en toi, bien-aimé, ça veut dire que l'or et l'argent t'appartient. Ça veut dire que tu es l'or, tu es l'argent. Ça veut dire que tout ce qui est sur cette terre t'appartient, mon frère, ma soeur. Parce que tu as Dieu en toi. Tu as la réserve de Dieu en toi. Bien-aimés, nous avons été créés, bien-aimés, la Bible dit qu'on a été créés. Dieu nous a façonnés à travers, bien-aimés, la boue, à travers la terre. Mais l'or et l'argent, c'est la terre, bien-aimés. L'or et l'argent se trouvent dans la terre. Toutes les richesses se trouvent dans la terre. Ça veut dire que nous avons tout en nous, bien-aimés. Dans ma vie à moi, dans mon corps à moi, je suis l'or, je suis l'argent, je suis le bonheur, je suis le nickel, je suis la prospérité. Tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui a comme richesse de terre, bien-aimés, sous la terre est en moi. Parce que j'ai été fait à base de ça. J'ai été fait à travers ça. J'ai été fait façonné, bien-aimé, à travers la terre. Et la terre qui représente tout ce qui est comme richesse, bien-aimé. La richesse de Dieu, c'est la terre. Tu es ce magasin-là. Tu es cet entrepôt-là, bien-aimé. Où en toi, tout est là. Alors va puiser, mon frère. Ce matin, je voudrais t'exhorter. Je voudrais t'exhorter d'aller puiser. D'aller puiser ce que tu as en toi. Parce que ce que tu as en toi, c'est Dieu qui a déposé. Ce que tu as en toi, c'est Dieu qui est en toi. Et comme Dieu a, ce que Dieu a, c'est que toi tu as, mon frère. Ce que Dieu a, c'est ce que tu, toi tu as. Parce que ce Dieu-là est en toi. La parole nous dit, bien aimé, dans le psaume 82, que vous êtes des dieux, mon frère. Vous êtes des dieux, ma soeur. Vous êtes des fils du Très-Haut. Si je suis un dieu, si je suis le fils du Très-Haut, mon frère, c'est que j'ai l'ADN de mon père. Et l'ADN de mon père, si j'ai l'ADN de mon père, c'est que j'ai tout ce que mon père a. Si Dieu a quelque chose, si Dieu a une valeur, c'est que j'ai cette valeur-là en moi aussi. Si Dieu est miséricorde, c'est que j'ai la miséricorde aussi. Si Dieu est riche, moi je suis riche, bien-aimé. Si Dieu est élevé, je dois être élevé, mon frère. Ce que mon père a, moi aussi je l'ai. Et Dieu l'a mis en toi. Dieu l'a mis en moi, bien-aimé. Nous sommes les dépôts de Dieu. Je suis un dépôt de Dieu. Je suis la réserve de Dieu. Toutes les valeurs que Dieu a, je l'ai en moi, mon frère. Pourquoi tu passes ta journée à te plaindre? Pourquoi tu passes tes journées à pleurer? Pourquoi tu passes tes journées à te lamenter, bien-aimé? Toi qui as la capacité, toi qui as des choses, alors que les hommes du monde t'envient. Alors que même le diable t'envie, mon frère, ma soeur. Même si ta famille t'envie de ce que tu as. Quand tu le regardes avec leurs yeux de sorcellerie, bien-aimé, ils t'envient, bien-aimé. Et toi, tu te sous-estimes. Toi, tu passes tes journées à pleurer. Non, moi, j'ai des souffres. Moi, j'ai des souffrances. Moi, je ne sais pas où aller. Tout le monde ne m'aime pas. Moi, je sais si. Mon frère, non, ma soeur. Ce matin, j'aimerais t'amener à comprendre, mon frère, que tu n'es pas fait pour pleurer, bien-aimé. Tu es fait pour marcher sur les sorciers. Tu es fait pour marcher sur les démons. Tu es fait pour marcher, bien-aimé. Le monde t'appartient, bien-aimé. Ce monde est à toi, bien-aimé. Parce que ton père l'a fait. Et quand Dieu l'a fait, bien-aimé, il t'a donné toi, il t'a affirmé, bien-aimé, il t'a consolidé, il t'a dit, toi mon fils, tu dois commander ce monde. Toi mon fils, tu dois assujettir tout ce qui est dans ce monde. Toi mon fils, tu dois construire ton monde, ce monde. Toi mon fils, tu dois continuer à achever mon œuvre. Bien-aimé, tu as tout de Dieu en toi. Nous sommes les dépôts de Dieu. Tu es ce dépôt-là, bien-aimé. J'aimerais ce matin, bien-aimé, te faire prendre conscience de ce que tu as comme valeur. Te faire prendre conscience de ce que tu as comme valeur, bien-aimé. Et que toi, tu ne sais pas. Ou peut-être que tu sais, mais que tu as peur de vivre.
Tu as peur de les vivre, bien-aimé. Tu as peur d'appeler les choses alors que tu as le pouvoir, bien-aimé. Maintenant, j'aimerais que tu puisses déclarer, tu puisses appeler les choses, bien-aimé, dans ta vie. Appeler les choses dans ta vie telles que tu aimerais que ça aille. Tu puisses déclarer les choses. Ce que tu as en toi, tu le rends visible, tu le rends palpable parce que tu peux le faire. Tu as la capacité et je t'encourage ce matin. J'aimerais t'encourager ce matin, mon frère. Ne te sous-estime pas, ne te néglige pas, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, oh, si tu te sous-estime, bien-aimé, moi, je suis là, bien-aimé, pour t'encourager. Pour te dire que tu as ce qu'il faut pour avancer. Et avance, mon frère. Avance, ma soeur. Car la bénédiction, bien-aimé, tu l'as pour toi. Tu es une bénédiction de Dieu. Tu es une bénédiction de Dieu, bien-aimé. Alors commence à appeler les choses dans ta vie. Appelle les choses afin qu'elles se matérialisent. Appelle les choses afin qu'elles soient visible, appelle une à une. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Comment tu regardes ta vie? Comment ta vie est? Qu'est-ce que tu aurais aimé vivre? Et qu'est-ce que tu n'as pas envie de vivre dans ta vie, bien-aimé? Alors tu peux déclarer, bien-aimé, parce que tu as le pouvoir. Le pouvoir t'est donné, bien-aimé. Le Christ a dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir de parler. Le pouvoir d'appeler les choses, le pouvoir de chasser, bien-aimé. Tu as ce pouvoir, bien-aimé. Alors tu peux appeler les choses. Tu peux dire dans ma vie, j'aimerais vivre l'élévation. Dans ma vie, j'ai envie de vivre le bonheur. Dans ma vie, j'ai envie de vivre mon mariage. Dans ma vie, j'ai envie de vivre le travail. J'ai envie de vivre ceci. J'ai pas envie de vivre la maladie. Tu peux déclarer, tu peux chasser ce qui coince ta vie. Tu peux dire, je veux plus vivre la sécheresse. Tu peux le pouvoir, bien-aimé, de chasser la sécheresse de ta vie. Tu as le pouvoir, mon frère, de chasser l'élévation de ta vie. Tu as le pouvoir de chasser, bien-aimé, tout ce qui freine ta vie, tout ce qui aimerait freiner ta vie, tu as ce pouvoir, bien-aimé. Pourquoi, mon frère, ma soeur, nous courons derrière les marabouts pour aller chercher une vie? Nous courons derrière les marabouts pour aller chercher une vie. Afin qu'ils nous disent des choses, mon frère, ma soeur. Mais quand on va chez les marabouts, bien-aimé, eux, ils se moquent de nous au fond d'eux. Ils se disent, mais tiens, ce petit-là, ce monsieur-là, mais il ne sait pas ce qu'il a. Mais il ne sait pas ce qu'il a. Et les marabouts, bien-aimés, quand on va les voir, bien-aimé, eux, ils ont peur de nous. Mais quand tu vas les voir pour pleurer avec des pleurs, bien-aimé, qu'est-ce qu'ils font bien? Mais ils prennent ce que tu as. Ils disent ce que tu as, bien-aimé. Et ils te donnent la mort, bien-aimé. Au lieu de te donner la vie, ils te donnent la mort. Ils prennent ce que tu as parce qu'ils savent que toi, tu as la vie en toi. Toi, tu ignores, mon frère, ma soeur. Alors arrête, mon frère. Arrête d'aller chez le marabout parce qu'ils connaissent la puissance que tu as en toi. Mais quand tu vas pleurer auprès d'eux, bien-aimé, nous sommes parfois nous-mêmes responsables de nos problèmes. Nous avons notre dépôt. Nous sommes les dépôts de Dieu. Mais on va donner ces dépôts-là, bien-aimé, à des sorciers. Tu vas chez les sorciers dire à ces sorciers-là, à ces marabouts-là, moi, j'en peux plus. Je suis malade. Lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il prend ce que tu as. Parce qu'il se dit qu'il ne connaît pas. Il se dit, lui, le marabout, que toi, tu ne connais pas la vraie chose que toi, tu as. Alors que lui, il en tremble. Il fait quoi? Il vole. Et ta vie ne fait que descendre. Ta vie ne fait que descendre, bien-aimé. Ta vie ne fait que s'assombrir. Parce que tu as été vendre. Tu as été donné ce que Dieu t'avait donné. Tu as été donné ce que tu as la capacité. Tu as été donné chez les marabouts, bien-aimé. Et ta vie n'ira que de galère en galère, de souffrance en souffrance, de misère en misère. Alors que tu peux, bien-aimé. Si les sorciers tombent devant toi, pourquoi toi tu irais voir les sorciers? Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'amener à te dire quelque chose. Arrête de murmurer. Arrête de pleurer, arrête de crier, arrête de lamenter. Tu n'es pas pauvre, mon frère. Tu n'es pas pauvre, ma soeur. Tu n'es pas malheureux. Arrête. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de quoi? Qu'as-tu besoin, mon frère? Qu'as-tu besoin, ma soeur, pour ta vie? Ouvre seulement ton dépôt et prends ce que tu as. Ouvre seulement ton dépôt et prends ce qui te manque. Ouvre seulement ton dépôt et appelle ce qui te manque dans la vie, bien-aimé. Arrête de lamenter. Ne donne pas le bâton au diable pour te faire battre. Donne pas le bâton au diable, bien-aimé, pour te battre. Arrête, bien-aimé. Ouvre ton dépôt. Quoi que tu aies besoin, quoi que tu aies envie, mon frère, ma soeur, ouvre ton dépôt. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux, mon frère. Car tu sais toi-même que tu es un prince. Tu sais toi-même que tu es une princesse de Dieu. Tu sais toi-même que tu es une princesse du Très-Haut, le Fils de Dieu, bien-aimé. Alors, prends ce que tu as dans ton dépôt, mon frère. Ne laisse pas la possibilité aux gens, mon frère, ma soeur, de pouvoir nuire à ta vie, de pouvoir conduire ta vie, de pouvoir manipuler ta vie. Mais toi, gère ta vie. Gère ta vie. Gère ta vie, mon frère. Parce que ce dépôt que Dieu a mis en toi, personne ne peut le touffer. Personne ne peut le bloquer. Celui qui te combat, bien-aimé, combattra Dieu. Parce que Dieu est en toi. Celui qui va te combattre, bien-aimé, il combattra Dieu. Le dépôt de Dieu, c'est toi. Ainsi, la Bible vient te rassurer, bien-aimé. La Bible te rassure encore, bien-aimé, en te disant, ils vont te combattre, mon frère. Ils vont te combattre, ma soeur. Mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Tu as peut-être remarqué dans ta vie de tous les jours, tu te dis, tiens, j'ai subi des épreuves.
J'ai été assailli par des ennemis. Je ne sais pas comment je m'en suis sorti. Évidemment, mon frère, parce que, bien-aimé, tu es une princesse et tu es un prince, bien-aimé. La parole t'a prévu, tu as dit, ils vont peut-être te combattre, bien-aimé, par rapport à ce que tu as. Mais ils ne te vaincront pas. Tu passeras de victoire en victoire, mon frère. J'aimerais ce matin t'exhorter que tu vas avancer. Que tu vas avancer de victoire en victoire par rapport à ce que tu as. Que tu aies besoin de quelque chose, va plus dans ton dépôt, mon frère. Prends dans ton dépôt ce que tu as envie de vivre. Prends dans ton dépôt ce que tu as envie de libérer à tes frères, à tes soeurs. Prends dans ton dépôt ce que tu as envie d'expérimenter. Quand l'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on y trouve dans un temple, mon frère? Dans le temple, bien-aimé, on y trouve ce qui est indispensable pour la vie. N'est-ce pas que dans le temple, bien-aimé, on trouve ce qui est indispensable, ce qui est indispensable dans la vie, bien-aimé? Dans le temple, il y a la présence de Dieu. Dans le temple, il y a la parole. Dans le temple, il y a la communion. Dans le temple, il y a l'amour. Dans le temple, il y a l'autel de grâce. Tu es un autel de grâce. Tu es un autel de grâce, mon frère, ma soeur, parce que tu es le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est venu en toi, il est venu chez toi pour faire en sorte que tu puisses avancer. Il est venu en toi pour que tu changes ta façon de penser. Il est venu en toi pour que tu changes ta façon d'être. Il est venu en toi pour que tu puisses monter. Tu n'es non seulement un dépôt, mon frère, tu n'es non seulement un dépôt qui stocke des choses, mais tu es un Dieu en toi. Et les choses que tu stockes, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de la marchandise pourrie, c'est de la valeur, mon frère. C'est une marchandise précieuse, bien-aimé. C'est la vie que tu stockes en toi, bien-aimé. Dans ton dépôt, tu gardes la vie. Dans ton dépôt, tu es un dépôt de vie. Alors, bien-aimé, appelle la vie dans ta vie. Appelle Zoé dans ta vie. Tu peux appeler la vie, bien-aimé, dans ton entourage. Tu peux appeler la vie dans ta maison. Tu peux appeler la vie dans tout ce que tu fais parce que tu l'as en toi. Va puiser, mon frère. Va prendre ce que tu as dans ton dépôt et donne aux autres. Donne aux autres, bien-aimé. Donne aux autres bien-aimés. À cause de ce dépôt que toi tu es, mon frère, ma soeur. À cause de ce que tu as, mon frère, ma soeur, comme j'ai dit précédemment, le monde va te réclamer. Parce que le monde n'a pas ce que tu as. Le monde va te réclamer. Le monde va courir derrière toi. Ils vont chercher à te trébucher. Ils vont chercher à te faire du mal. Mais laisse-moi te dire que tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais vaincu. La parole nous dit, dans ma maison, il n'y aura aucune femme qui avorte ou stérile. Dans ma maison, bien-aimé, il n'y aura personne d'affamé. Tout le monde, bien-aimé, sera rassasié, bien-aimé. Parce que tu es le dépôt de Dieu. Et dans le dépôt de Dieu, bien-aimé, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de sécheresse. Il n'y a pas de stérilité. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de célibat. Il n'y a pas, il y a pas de manquement. Dans la maison de Dieu, dans l'hôtel de Dieu, dans le dépôt de Dieu, bien-aimé, il y a toutes les valeurs. Il y a le mariage. Il y a le bonheur. Il y a l'avancement. Il y a la vie. Il y a la croissance. Il y a l'élévation. Il y a tout ce que tu veux dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je vais te dire encore que tu es le dépôt de Dieu. Alors va puiser ce que tu as. Va puiser ce que tu as dans ton dépôt. Va puiser ce que tu veux vivre, bien-aimé. Et expérimente ça avec des paroles. Déclare des paroles. Dis quelque chose. Parce que le pouvoir est en toi. Le pouvoir est sur ta langue, mais le pouvoir est en toi parce que Dieu t'a donné ce pouvoir-là de pouvoir libérer, de pouvoir mettre en existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Tu as cette capacité-là, mon frère, ma soeur. Allez, monte encore. Tu es une princesse. Tu es une fille de Dieu. Ce matin, mon frère, rappelle-toi encore que le dépôt de Dieu, c'est toi. Et en toi, bien-aimé, Dieu s'est posé en toi. Il s'est hiberné en toi. Il s'est tabernaclé en toi, notre Dieu bien-aimé. Depuis le commencement, car ton souffle qu'il t'a donné, bien-aimé, c'est lui en toi, bien-aimé. Le souffle qu'il a mis en toi, c'est sa présence en toi. Et quand tu as la présence de Dieu en toi, bien-aimé, tu peux tout faire. Quand tu as la présence de Dieu, bien-aimé, aucun démon, aucun diable, aucun sorcier n'a le droit, n'a le pouvoir sur toi, bien-aimé. Parce que tu es la présence de Dieu, tu es le dépôt de Dieu. Et Dieu est présent dans son dépôt, mon frère. Parce que dans le dépôt de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est tout de Dieu qui est dedans. Et toi, tu es le tout de Dieu. Alléluia. Tu es le tout de Dieu. Tu es le tout de Dieu, mon frère. Alors tu vas monter encore. Tu vas monter encore par rapport à la puissance que tu as. Par rapport à la capacité que tu as pour bien aimer. La parole te dira même que celui que tu béniras sera béni. Et celui que tu maudiras sera maudit. Parce que tu as cette valeur-là. Parce que tu as ce pouvoir-là. Parce que tu as cette capacité bien aimée. De pouvoir bénir, comme de pouvoir aussi maudire, de pouvoir détruire. Parce que en toi, ce Dieu-là qui est en toi donne cette capacité-là. Il t'a donné le pouvoir, bien-aimé.
et la puissance sur le voleur. Il t'a donné le pouvoir et la puissance, bien-aimé, sur tout ce qui rôde autour de toi. Même si le diable rôde, bien-aimé, même si le diable rôde autour de toi, bien-aimé, tu as le pouvoir. Tu as la puissance de pouvoir neutraliser. Tu as le pouvoir, la puissance de pouvoir, bien-aimé, l'écarter, de pouvoir le détruire, de pouvoir le terrasser. Alors, mon frère, libère une parole, sors des paroles, fais des déclarations, bien-aimé, pour faire tomber. Si le diable a manipulé Adam, bien-aimé, dis-toi, bien-aimé, que tu n'es pas Adam, bien-aimé. Si le diable a manipulé Adam et Ève, toi, tu n'es pas Adam et Ève, bien-aimé. Car ce dernier, bien-aimé, n'était pas né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Toi, tu as reçu le Christ en toi, bien-aimé. Tu as reçu Jésus en toi, bien-aimé. Alors, bien-aimé, menace, bien-aimé, car tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu as la puissance du Saint-Esprit, tu as la force du Saint-Esprit en toi. Tu peux menacer, bien-aimé, tout ce qui menace ta vie. Tu peux menacer, bien-aimé, tout ce qui veut bloquer ta vie. Tu peux menacer, mon frère, tout ce qui freine ta vie. Parce que tu as la puissance en toi. Parce que le Christ est en toi. Parce que le Saint-Esprit en toi. Parce que tu es là, mon frère, ma soeur. Et si tu sais prier en esprit, le dépôt de Dieu. Tu es ce dépôt, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le dépôt de Dieu en toi restera ouvert tant que tu resteras en vie, bien-aimé. La parole nous dit, jusqu'à 90 ans, bien-aimé, le dépôt de Sarah était toujours en vie. Était toujours ouvert, bien-aimé. La parole nous dit, bien-aimé, que le dépôt, bien-aimé, je voudrais te dire, bien-aimé, le dépôt même de ceux qui ont des problèmes, bien-aimé, quand tu as un problème, ton dépôt ne peut pas se fermer. Il reste toujours ouvert, bien-aimé, jusqu'à ce que tu puisses trouver une solution. Jusqu'à ce que tu puisses puiser, bien-aimé, la solution qui va à ton problème. Jusqu'à ce que tu puisses puiser, bien-aimé, la valeur qui va à ton problème, bien-aimé. Ton dépôt est ouvert pour toi, bien-aimé. Alors déclare, alors va chercher, alors va puiser, bien-aimé. Tant que tu n'as pas touché, tant que tu n'as pas touché à ta vie, tant que tu n'as pas touché, bien-aimé, à ton bonheur, tant que tu n'as pas touché à ta destinée, bien-aimé, va puiser dans ton dépôt, bien-aimé, il reste ouvert pour toi, il reste ouvert pour ta famille, il reste ouvert pour ton église, il reste ouvert pour ton entourage, il reste ouvert pour ta maison. Le dépôt que tu as en toi, tu es le dépôt de Dieu. Tu es le dépôt de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors va puiser. Va puiser, mon frère. Va puiser, mon frère, jusqu'à ce que tu rentres dans ton bon sens, jusqu'à ce que tu touches, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dépôt? Qu'est-ce qu'il y a dans ton dépôt à toi, mon frère? Qu'est-ce qui reste encore dans ton dépôt? Est-ce que tu as été vendu ton dépôt chez les marabouts? Ou ton dépôt est encore intact? Qu'est-ce qui reste dans ton dépôt, mon frère, ma soeur? Ce matin, tu dois sortir ton dépôt, ce qu'il te faut pour l'élévation. Ce matin, j'aimerais t'exhorter que tu dois sortir ton dépôt, ce qu'il te faut pour ta croissance. Ce matin, j'aimerais t'exhorter que tu dois sortir ton dépôt, mon frère, ma soeur, ce qu'il te faut pour ton élévation. Ce matin, mon frère, j'aimerais t'exhorter que tu dois sortir ton dépôt, ce qu'il te faut, bien-aimé, pour ton travail, pour ta maison, pour ton église, mon frère. Alors, puise ce qu'il y a dans ton dépôt afin de changer les choses. Va puiser, mon frère, afin de changer les choses. Afin de changer la situation. Car elle a trop duré ta situation. Elle a trop duré ta vie, mon frère. Elle a trop duré ta maladie. Elle a trop duré, bien-aimé, ta sécheresse. Alors, va puiser, bien-aimé, dans ton dépôt afin de changer les choses. Tu es capable de changer les choses, bien-aimé. Change le cours des choses, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il faut changer? Dans ton dépôt, bien-aimé, tu as ce qu'il faut pour changer le cours de l'histoire de ta vie. Va puiser, mon frère, ma soeur, pour changer ta vie. Va puiser, mon frère, ma soeur, pour changer le cours de ta vie. Alors fais des déclarations et monte avec moi, mon frère, ce matin. J'aimerais que tu montes avec moi ce matin pour faire des déclarations, bien-aimé. Tu vas dire après moi, au nom puissant de Jésus, que tu viens chasser toute forme de sécheresse dans ta vie. Toute forme de sécheresse dans ta vie. Et quand tu chasses les sécheresses dans ta vie, tu installes l'abondance. Tu installes l'abondance dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que ce matin, mon frère, que tu viens chasser toutes sortes, que tu viens chasser toutes sortes de limitations, que tu viens neutraliser toutes sortes de limitations et que l'avancement, que tu avances au nom de Jésus, que ce matin, bien-aimé, toute forme de limitation, toute forme de sécheresse puisse être neutralisée, bien-aimé. Ce matin, mon frère, tu vas déclarer encore que je vais chasser, tu viens chasser, bien-aimé, toute forme de maladie dans ta vie, toute forme de maladie dans ta vie, et tu installes la santé. Ce matin, bien-aimé, tu peux chasser toute forme de célibat, et tu installes le mariage. Ce matin, mon frère, tu viens chasser toute forme de stérilité, et tu installes la fécondité. Ce matin, mon frère, tu viens chasser toute forme de manque, et tu installes la réussite. Ce matin, mon frère, tu viens chasser toute forme de négativité, et tu mets la positivité. Ce matin, mon frère, peu importe que tu aies été courbé, peu importe ta forme que tu as été, ce matin, je me
veux que tu changes de forme, que tu changes la forme de ta vie, que ta vie change, que tu aies épuisé ce qu'il faut pour changer la forme de ta vie, que tu aies épuisé ce qu'il faut, bien-aimé, pour changer la situation de ta vie. Ce matin, mon frère, parce que en toi, bien-aimé, il réside des choses. En toi, bien-aimé, tu as ce que Dieu a déposé en toi pour changer ta vie. Alors déclare avec la parole, déclare avec la parole, parce que tu as la parole en toi. Dieu l'a déposé en toi. Le souffle de vie qu'il a mis en toi, c'est sa parole qu'il a mis en toi. C'est la puissance qu'il a mis en toi. C'est la valeur qu'il a mis en toi. Alors déclare, mon frère, monte avec des déclarations et déclare pour ta vie, bien-aimé. Déclare des bonnes choses et chasse ce qui est négatif dans ta vie dans le nom précis de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu monteras encore, mon frère. Je le déclare dans ta vie, bien-aimé, que ce matin, je veux que tu prennes conscience que tu es le dépôt de Dieu. Et dans ce dépôt, mon frère, Dieu a tout mis pour ta croissance, pour ta vie, pour ton élévation. Bien-aimé, c'est pas pour la confusion, mon frère. Alors déclare avec ce que tu as, avec ce que tu as reçu, bien-aimé. Prenons cette déclaration. Et j'ai foi en toi. Et je sais que ce matin, bien-aimé, tu sauras monter avec moi. Tu sauras dire que ce matin-là, tu ne vivras pour ne pas le dernier. Tu ne seras pas le dernier, mais tu seras le premier. Que ce matin, en tant que fils et fille de Dieu, ce matin, en tant que prince et princesse de Dieu, tu ne seras pas en arrière. Parce que ce matin, bien-aimé, tu seras aussi un roi, tu seras aussi un prince qui aura des serviteurs, que les gens vont servir, bien-aimé. Si le monde nous envie, si même les âmes, les anges nous envient, bien-aimé, pourquoi toi-même tu t'excuses si, mon frère, ma soeur? Non, mon frère, ce matin, je vais te booster, mon frère, parce que tu as tout en toi, bien-aimé, pour construire ta vie. Tu as tout en toi, bien-aimé, pour construire l'église. Alors, et ton regard tourné vers le Seigneur. Parce que tu as le Seigneur en toi, bien-aimé. Je vais chuter. Tu as le Seigneur en toi, bien-aimé. La parole nous déclare, bien-aimé, que ils te vaincront, ils te combattront, ils te vaincront pas, bien-aimé. Parce que le Christ est en toi, bien-aimé. Il t'a donné le pouvoir de marcher, de chasser, le pouvoir, bien-aimé, d'éradiquer toutes choses. Bien-aimé. Le pouvoir, bien-aimé. Alors, prends ce pouvoir-là, mon frère. Tu veux ce pouvoir-là, bien-aimé, pour ta vie, pour faire avancer ta vie, pour changer le cours de ta vie, bien-aimé, pour changer la vie, bien-aimé, car quand le Seigneur a soufflé en toi, bien-aimé, il a soufflé en toi, bien-aimé, il t'a présenté devant les animaux, la parole nous dit, il a présenté devant la création, de verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que les êtres vivants portent le nom que lui donnerait l'homme. Bien-aimé, c'est une domination que toi tu as. Dieu t'a donné la domination sur sa créature, sur sa création, mon frère, ma soeur. Si toi tu étais capable de nommer, de donner le nom à toute ta création de Dieu, bien-aimé, tu peux être capable de déclarer des choses pour ta vie. Tu peux être capable de changer ta vie, bien-aimé, parce que tu as la domination en toi, tu as ce pouvoir en toi. Alors use ce pouvoir-là pour pouvoir monter, bien-aimé, pour pouvoir monter, bien-aimé, pour pouvoir dire à ces méchants-là que moi, je ne suis pas partie de votre vie, je ne suis pas de votre race, je suis de la race royale, je suis un aigle royal, la race des gens qui volent plus haut, la race des gens qui avancent plus haut, la race des aigles royales, la race des rois, bien-aimé, la race des princes, bien-aimé, tu ne fais pas n'importe qui. Alors, avec ce que tu as, mon frère, ma soeur, déclare. De la même façon que tu as déclaré pour ta santé, bien-aimé, déclare pour ton avancement, déclare pour ton élévation, déclare pour ta vie, et que mon Dieu te fasse du bien et qu'il te bénisse. Voilà, mon frère, ma soeur, ce matin, le message que j'avais pour toi. Tu es le dépôt de Dieu. Dans toi, mon frère, Dieu a déposé tout ce qu'il faut pour ta vie, tout ce qu'il faut pour ton épanouissement, tout ce qu'il faut pour la vie des autres aussi, pour ton église, pour ta maison, pour ta famille. Alors, ne va pas donner ça au diable, ne va pas donner ça au marabout. Puisse ce que tu as au fond de toi, dans la prière. Puisse ce que tu as au fond de toi, bien-aimé, dans la contemplation, dans l'adoration, la méditation. Et le regard tourné vers le Christ, parce que Christ est en toi. Il t'a dit que tu as le pouvoir en toi, je t'ai donné ce pouvoir-là pour faire, pour emmener les choses en existence. Si les choses n'existaient pas, tu vas puiser dans le spirituel pour le mettre en existence. Tu as cette capacité-là et je crois en toi. Que mon Dieu te fasse du bien ce matin. Dieu te bénisse encore. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur. N'oubliez pas d'aller adorer votre Dieu et de partager encore ce moment avec vous. Voilà le message que j'avais ce matin pour toi, mon frère. Tu peux partager à un frère qui se sous-estime encore, qui ne sait pas qu'il est la réserve de Dieu. Partage à ce frère-là, peut-être qu'il prendra conscience de ce qu'il a au fond de lui, de ce que Dieu a mis en lui, qu'il est une réserve, qu'il a la capacité de pouvoir avancer les choses, de pouvoir faire les choses. Quant à moi, nous allons nous retrouver dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur, toujours avec le même sentiment, même ambiance, même entrain, même rythme, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao, ciao et shalom à vous.